Les éléphants taekwondoïnes ont marqué de pierre blanche le passage à l'Open international qui s'est tenu à Beyrouth, au Liban, du 21 au 23 septembre 2018. En effet, la Côte d'Ivoire s'est classée 3e nation sur 29 en remportant 5 médailles, dont 4 d'or et une de bronze. C'est un ministre naturellement très heureux à la tête de cette délégation qui est retourné au pays ce lundi 24 septembre, très satisfait de cette expédition. Les responsables de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec à leur tête le président Bamba Cheikh Daniel, les membres du cabinet du ministère des Sports, conduits par M. Alla, directeur du cabinet du ministère des Sports, M. Nasser Seklaoui, directeur général de NASCO, partenaire sportif, et le comité national de soutien aux éléphants. Tous étaient au pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir les champions Ibo Kumba Hélène, Ekwiti Marie-Frédéric, Dosso Cheikh Omar et Kobenan Aaron sont les 4 athlètes sur les 6 en lice à avoir réalisé ce texte. Une performance qui ne laisse pas indifférent le patron du sport ivoirien qui effectuait à cette occasion sa première sortie pour les compétitions internationales. Pour une première sortie, pour participer aux compétitions internationales, j'avoue que je suis un ministre des Sports heureux. Heureux de la performance des jeunes taekwondoïnes. Heureux de revenir au pays avec 5 médailles, dont 4 médailles d'or et une médaille de bronze, et classé 3e sur 29 pays participants et plus de 800 athlètes. Saluer d'abord nos athlètes qui ont fait preuve d'abnégation et de professionnalisme, j'allais dire. Ils ont porté haut l'étendard de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous avouer que j'ai été particulièrement heureux de voir monter l'étendard, le drapeau ivoirien, dans le ciel du pays des cèdres. Ibo Kumba Hélène, chez les moins de 62 kilos, demeure l'héroïne de Beyrouth avec 2 médailles d'or à son actif. Et Kobenan Aaron obtient la médaille de bronze des moins de 57 kilos. Le ministre Paulin Claudanho, conscient de l'implication de l'État de Côte d'Ivoire dans le succès des athlètes à l'international, a exprimé sa reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier et traduit notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui a toujours apporté un soutien constant aux sportifs, comme il a manifesté d'ailleurs lors de sa récente visite au Qatar, où il a tenu à saluer les éléphantaux. Il a toujours apporté son soutien aux sportifs, et nous saisissons encore cette opportunité pour lui réitérer notre infinie gratitude. Devant les résultats produits par les jeunes taekwondoïnes déterminés à défendre les couleurs de la nation lors des différentes compétitions, le ministre a invité la jeunesse ivoirienne en quête de repères à s'inspirer de ce modèle. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a voulu faire, sur les hautes instructions du président de la République, du sport un levier essentiel de la cohésion sociale, du rassemblement des Ivoiriens et surtout du sursaut de la jeunesse ivoirienne. Nous voudrions souhaiter qu'à travers la bravoure des jeunes taekwondoïnes, du succès que nous a toujours apporté la Fédération ivoirienne de taekwondo, que ces résultats servent à éclairer le chemin des jeunes générations qui ont besoin de repères, qui ont besoin de faire revivre l'union, le travail et la discipline. Je voudrais, à ce stade de mon propos, dire à toutes les fédérations qu'elles doivent s'inspirer de ces valeurs cardinales que nous voulons que le sport soit pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi témoigner mon infinie gratitude à tous ceux qui ont permis que cette aventure soit une réussite, notamment à notre entreprise citoyenne, NASCO, et son directeur, notre frère, notre concitoyen, Nasser Seklaoui, pour le soutien qu'il apporte au développement et à la promotion du sport. Soyez-en infiniment remerciés et nous souhaitons que de nombreux partenaires s'inspirent de votre action et contribuent au développement du sport dans notre pays.